Black Cobra 2 est le nom de code de l'un des programmes de combat tactique COCAR les plus diffusés au sein des forces spéciales de l'armée américaine. Sa vitesse de résolution, caractéristique, et son pouvoir meurtrier et neutralisateur l'ont amené à être très rapidement adopté par la force d'élite SEAL, mondialement connue. Sa raison d'être et sa finalité ont limité dans le passé son accès et sa pratique aux seuls professionnels des forces, corps et unités spéciaux les plus qualifiés. Il est maintenant présenté pour la première fois au public à travers cette vidéo. Durant tout le programme de Black Cobra 2 et dans les différentes sections développées, nous utilisons la matrice d'action universelle qui nous permet l'application simultanée de trois variables fondamentales au moment d'actionner une SAR, situation de haut risque. 1. Mouvement naturel qui permet une assimilation de concepts et une capacité de réponse opérationnelle presque instantanée. Les objectifs sont vitesse maximale d'assimilation, vitesse maximale d'exécution et efficacité maximale. 2. Les angles d'exécution et positionnement facilitant l'application et le contrôle des séquences techniques mortelles ou non mortelles, avec la protection maximale face à n'importe quelle attaque inopportune de l'adversaire. Les objectifs, protection maximale, contrôle maximum sur les actions offensives de l'agresseur et efficacité maximale. Et 3. Neutralisation exclusive sur schéma organique. On a choisi parmi toutes les zones, des zones organiquement vulnérables, seulement celles qui garantissent physiologiquement un choc instantané sur le système nerveux central du criminel ou du terroriste. Sens spatio-corporel, perception du moi et de l'environnement immédiat, seuil de la douleur, perte immédiate des fonctions motrices, de divers segments corporels, etc. au moyen de l'application de ATP, Attack Tactical Points, et de PTP, Pressure Tactical Points, grâce auxquels nous parvenons à une graduation maximale sur les effets non mortels, le contrôle et, en cas de danger extrême, la neutralisation mortelle. La focalisation des actions sur ces zones permet d'observer sans réserve la prémisse universalité de l'action-effet, élevant le seuil d'efficacité à sa plus haute expression. Les objectifs sont fonctionnalité d'application maximale, neutralisation exécutive maximale et efficacité maximale. L'observation simultanée de ces variables constitue le secret de l'efficacité opérationnelle du Black Cobra 2. Toutes ces actions défensives sont conçues pour être matérialisées au moment de l'agression, à travers des mouvements corporels spontanés. Ces actions annulantes sont rapidement assimilées de manière instinctive et leur fonctionnalité maximale d'application reste inaltérable dans les situations qui requièrent la neutralisation, tant non mortelle que mortelle, du criminel ou du terroriste. Section de combat main à main. Cette section contemple des situations dans lesquelles notre agresseur se trouve désarmé et ne retrouve pas la raison à travers un dialogue compréhensible. Il peut parfois avoir bu, avoir consommé des psychotropes ou se trouver dans un état d'altération du fait de problèmes psychologiques avec de hautes montées d'adrénaline. Application non mortelle. Ce chapitre a été développé pour soumettre et contrôler les criminels très dangereux dans certaines circonstances, de manière à ce qu'ils n'attendent pas contre leur propre vie, ce qui représente de nos jours un idéal pour tous les professionnels de la loi. La neutralisation non mortelle dans le Black Cobra 2 se base sur l'application exclusive des actions défensives sur PTP, Pressure Tactical Points, qui sont du plus grand usage régulier lors d'attaques standards, avec armes ou sans armes. Le nerf brachial, le plexus nerveux cervical et le tronc temporomaxillaire. Tous les PTP se trouvent hautement exposés et facilement vulnérables face aux actions offensives enseignées.
application mortelle. Nous observerons ici l'application maximale du pouvoir de neutralisation des actions défensives contenues dans le Black Cobra 2. Sans modification ni altération significative dans la procédure générale d'application, l'effet mortel est obtenu sans effort, comme une conséquence logique face à l'escalade de violence dans le conflit avec implication de danger mortel pour des civils innocents. Le corps d'application est l'ATP, Attack Tactical Points. Ce groupe diffère du précédent, de par sa haute sensibilité et son très haut pouvoir mortel potentiel. Nous ne pouvons manquer de recommander l'usage exclusif des actions exposées dans ce chapitre de la vidéo aux circonstances qui mettent notre vie en danger.